pas beaucoup de temps là, je suis tout seul. Ah oui, tu sais bien, je remplace Michel, mais... Ah oui, c'est aujourd'hui, oui. On est bien peu de choses, que veux-tu? Oui. Oui. Ah ben ça, si on savait avant, hein. Je te fais pas dire. Bon. Oui, bon, mais t'avais quelque chose de précis à me demander, parce oui, que là, salut. Il faut que je... C'est encore moi. Bon. Alors, tout ce que je t'ai dit hier, je ne le pensais pas. Hein. Tu te doutes bien. Hein. Enfin, hier, je le pensais un petit peu. Hein. Mais tu vois, ce matin, ça ne m'arrange plus du tout. Tout ça était quand même très, très exagéré. Hein. Oui. Aussi, je voulais te dire, je ne sais pas si ton portable prend bien les messages, parce que je t'en ai laissé 2, 3, 4, 5, 7 nuits, et comme tu ne m'as pas rappelé. Oh, quel crapule, ces opérateurs. Dire qu'à cause d'eux, t'es peut-être à côté de ton téléphone en attendant que je te rappelle, en rongeant les sangs. Peut-être pas, d'ailleurs. Bon, enfin, tout ça pour dire que... Que... Et à part ça, la santé, ça va, toi? Parce que moi, ce matin, avec ce temps pourri, c'est pas... Hein? Bon. Merde, merde, garçon! S'il vous plaît, garçon! Pardon? On a dit le mois de juillet! Mais commence pas à tout changer! Mais je me fous que vous ayez loué un bungalow, moi! Mais je me fous aussi des vacances de ton garagiste! Tu attends toute l'année, la petite, toi! Bon, on fait comme on a dit, un pain c'est doux, merde à la fin! Qu'est-ce que vous voulez, vous? Un ocre. Quoi? Un autre garçon, s'il vous plaît. Pardon? Je veux dire, un autre verre d'eau et un café aussi. Garçon! Le monsieur qui a été avec moi hier soir... Le grand brun tout en cuir. Avec le devant des plumes et le catogan derrière. Oui, il doit passer. Vous pouvez lui dire que j'attends ici? Et vous croyez que j'ai que ça à faire, moi? Hein? Avec le monde qu'il y a ce matin. Puis de toute façon, il ne viendra pas. Hein. Bah, hier, vous avez poussé le bouchon trop loin. Il y a des limites à ce qu'un homme, même gentil, peut supporter. Il n'est pas spécialement gentil. Bah, raison de plus. De quoi vous vous mêlez? Oh, il fallait pas hurler comme un putois, hein? Si vous vouliez pas que j'entende. Règle d'or, ne jamais attaquer un homme sur sa virilité. Jamais! D'avoue! Mais qu'est-ce que c'est que ce con? Eh, vous n'êtes pas obligé d'être impoli, hein? C'est pas de ma faute, moi, si on vous a posé un lapin. Eh oui, vous allez bien vous trouver une petite place dans l'arrière-salle. Installez-vous, j'arrive. C'est pas très gai comme endroit, hein? Bah, on a qu'à aller sous les gros machins, là, qu'ils ont mis en terrasse. La tête brûlante et des pieds gelés pour attraper la crève. En plus, ça fume là-dessous, on se croirait sous une tente à nicotine. Bah, la dame, elle a peut-être bientôt fini. Je n'ai pas eu encore ma consommation. Eh bah, tant pis. Oh, qu'est-ce qui tombe? Vous nous avez pourtant promis un bon mois de septembre, hein? Ben, je sais pas, on a qu'à aller se trouver une table avec des chaises à côté, là-bas, par exemple. Ouais, mais tout est pris. Hein. J'attends quelqu'un. Oh, de toute façon, il viendra pas. Asseyez-vous là, madame. On en a pas pour longtemps, prends juste un café, on s'en va. Ça vous dérange pas? Mais pas du tout. Voilà. Faut pas que je traîne. Faut que je sois dans trois quarts d'heure au bureau, je présente un gros projet, j'ai potassé jusqu'à 3h du matin. Comme dit maman, t'as pas de facilité au départ. Mais pour bosser, ça tu bosses. Garçon! Garçon! Bah, il est sourd ou quoi ce serveur? Il est caractériel. Bon, bah je vais aller commander. Qu'est-ce que vous voulez? Bah un café, un croissant, s'il vous plaît. Elle veut peut-être quelque chose aussi, la dame. Ouais. Un petit crème bien blanc.
Vous êtes du quartier? Oui, un peu plus haut, vers le square. Vous n'avez pas déjà croisé? Est-ce que je tiens le petit magasin de lingerie là qui fait l'angle en bas de l'avenue? Non, je crois pas. Ah, ça y est, je vous remets. Vous êtes venu me voir une fois à la boutique. Vous aviez pris une parure complète. Je crois non, je me souviens pas. Ah, si. Oh, si, je me souviens. Vous aviez pris string, jartel, guêpière, tout en dentelle violette. Vous vous rappelez pas, vous étiez invité chez tout, là, dans une chaumière. Oui, c'était pour une soirée déguisée. Ah, voilà. En Normandie. Voilà. Et alors vous, vous avez des enfants? Ah oui, un garçon qui est rentré en collège ce matin, 6e. Regardez, la Picard nous a pris en photo devant la grille du collège. Regardez ça. Mais c'est formidable ça. Il est mignon, hein? Oui. Bah, c'est une cliente à moi, elle aussi. Bon, ça s'est retrouvé vraiment par hasard. Alors elle, quand elle vient à la boutique, un truc de malade. Elle prend tout un tas d'ensemble, bah, elle prend le cabine, tout ça, elle les essaie devant la glace. Puis bah, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, bah, on a l'impression qu'elle va se mettre à chialer. Alors, c'est bizarre quand même, admettez quand même que c'est du plaisir à la base tout ça, non? Bah, ça dépend du rapport qu'on entretient avec son corps. Oh bah c'est pour ça la pauvre. Enfin, moi je sais que j'ai un super rapport avec mon corps. Et vous? Bon, ça dépend des jours. Hein? Ah non, les vôtres ils sont aussi au collège, au lycée. Bah vos enfants. Ah oui, bien sûr, au collège et au lycée aussi. Voilà. Ah, oh, c'est effrayant ce qui dégringole. Crème, café, cidre. Bon, j'avale mon café vite fait et je finis, sinon ils vont paniquer au bureau. Ils sont complètement perdus quand je suis pas là. Et il faut qu'on demande à Hélène et on verra quand Hélène sera là. C'est pareil à la maison. Il y a quelques temps, je suis partie en déplacement. Mon mari était complètement paniqué. Comment je vais faire avec les enfants? Et qu'est-ce que je vais leur donner à manger? Mais heureusement, je suis super organisée. Je leur ai mis au frais des tupperwares avec une étiquette marquée dessus pour chaque jour de la semaine. Lundi, bœuf aux carottes. Mardi, tagliatelle au saumon. Mais c'est bien d'avoir mis de poisson au début de semaine. Et comme ça, jusqu'au vendredi. J'ai fait la même chose avec les vêtements. Une chaise pour chacun pour chaque jour, avec slip, chaussettes et tricot de peau propre et assorti dessus. T'as mis vos enfants une chaise, en fait? Ah non, mais c'est que ça demande de l'organisation. Mais je suis très organisée. Non. Je devrais m'acheter des boîtes, moi aussi. Des belles boîtes pour tout bien ranger. Peut-être me foutre dedans, tiens, comme ça, ce sera réglé. Vous voulez autre chose? Vite fait alors, le temps que la pluie s'arrête. Un chocolat, tiens. J'ai besoin de sucre en ce moment. Je brûle, mais je brûle. Ça, c'est vrai, vous brassez de l'air. Hein. Ouf. Eh ben, moi aussi, un grand chocolat, s'il vous plaît. J'ai pas très bien compris où elle voulait en venir avec son histoire de boîte. Bah c'est pas très compliqué, se fout de nous, c'est tout. Oh, vous croyez? Bah oui, vous n'avez pas remarqué, elle n'arrête pas de bailler ostensiblement pour bien nous signifier qu'on l'enquiquine avec nos histoires. Ah ouais. Vous savez comment on signifie l'ennui en langage des sourds? Non. Comme ça. Ce genre de femme, j'y arrive tout de suite. Mais c'est quoi comme genre? Bah le genre femelle qui méprise les autres femmes. Oh. Ah d'accord. Oui, ça commence à l'école maternelle, dans la première récréation, et puis ça continue après. Hein. Ah, je savais pas, tiens. Voilà. Merci. De rien. Ben on dira ce qu'on voudra, mais ça fait du bien de voir bien chaud. Après l'été qu'on a eu, on mériterait d'avoir un beau mois de septembre quand même. Hein. Il n'y a vraiment plus de saison, comme dirait l'autre. Si ça vous ennuie ce que je raconte, vous n'êtes pas obligé de rester. Hein. Ah mais non, mais il y a des gens qui se croient vraiment plus malins que les autres, alors qu'en fait, il n'y a vraiment pas de quoi. Eh bien, ben, enchantée d'avoir fait votre connaissance. Cause toujours, tiens. Voilà votre crème. Je l'ai déjà eu. Ça m'étonnerait puisqu'il est là. Mais c'était pas celui-là, c'était un autre. Bon, vous m'avez commandé un crème ou non?
Oui, mais vous n'êtes pas venu. Ah, je suis venu puisque je suis là. Mais c'est trop tard. Oh, il n'est jamais trop tard, hein, tant qu'on n'est pas mort. J'aime pas beaucoup les caprices, hein. Vous l'avez commandé? Vous le consommez? Il y a des jours comme ça. Oh, j'en ai marre des clientes en ce moment, là. Oh bah c'est pas très gentil de dire ça, ce sont elles qui vous nourrissent quand même, faut pas l'oublier. Hein. Je m'en fous, hein. Si ça marche pas, je ferai autre chose et puis c'est tout. Hein. Y a pas que le boulot dans la vie, hein. Ça sort et de toute façon. Hein. Ah bah je voudrais pas être méchante, mais ça c'est exactement le type de raisonnement qui nous a conduit là où nous en sommes actuellement. Hein. Bah pourquoi on en est où exactement là? Bah dans le pétrin. Vous personnellement? Bah non, pas moi, grand Dieu merci, tout va bien. Je parlais du pays. Le pays? Quel pays? Ben le nôtre, notre pays, la France. Ah ouais, non mais en fait vous êtes en train de dire que c'est de ma faute à moi, en gros c'est la France, c'est dans la merde. Mais non, c'est pas vous en tant qu'individu, c'est une question de mentalité. Mais dites donc, si j'ai besoin de quelqu'un pour terminer mes phrases, je vous le dirai, pour le moment vous a poissonné. Exactement. Non mais alors, ça va là. Allez, j'ai compris. Excusez-moi encore d'avoir été aimable. Oh non, 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 mais laissez tomber, un café sucré, là, ça partira jamais, hein. C'est la merde à nettoyer. Voilà. Je suis désolée. Vous l'avez fait exprès. Dis donc, vous êtes complètement malade. Mais je vous permets pas de me parler comme ça. Mais je vous parle comme j'ai envie. Vous débarquez, là, avec votre ami. Hop, 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 ça, c'est pas mon ami, hein. Peu importe, je vous demande pas de détails, je m'en fous. Et vous allez vous calmer, oui. Jusqu'à présent, moi, j'étais plutôt de votre côté, mais comment ça, vous étiez plutôt de son côté, hein? Bah oui, enfin, je suis désolée, elle nous a quand même fait une petite place pour qu'on s'assoie, donc... Non, mais voilà. Vous êtes vraiment débile ou vous faites semblant? Elle me parle mal, la blondasse, ou je rêve, là? Bon, allez, c'est bon, c'est moi, c'est de ma faute. J'ai caché une belle amitié. Je vous ai déjà dit que c'était pas mon ami, ça. Si vous me touchez, je vous frappe. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe ici? On entend quoi dans le café? Et là, on est un homme en un temps de démocratie, on a encore le droit de s'exprimer, non? Certes, on maîtrise la situation. Ouais, ça. Qu'on m'emmerde, je ne veux plus jamais qu'on m'emmerde. Ouais, je vois ça. J'en peux plus. Merde. Vous n'avez pas un peu d'eau fraîche? Oui. Non, mais d'habitude, elle est beaucoup plus polie, cette dame-là, d'habitude. Hein. Ah ouais? Moi, je pense que c'est à cause de la pleine lune. Et vous y croyez, vous, à ces phénomènes un peu quasi inexplicables? Non, pas du tout. Hein. Ah bon? Et c'est rien. Ça va passer. Et pleurez un bon coup. Comme ça, vous pisserez moins. Voilà, vous avez réussi à la neutraliser. Oh, n'exagérez rien. Hein. C'est pas l'incroyable Hulk non plus. Hein. Qui ça? Personne, laissez tomber. Ah bah elle nous fait une bonne crise quand même, hein. Vous devez être habitué, non? Ah bah le matin de bonne heure, pas tant que ça, hein. Madame, coucou, c'est nous, c'est Loulou, et puis l'autre dame que vous n'aimez pas. Ça fait du bien, bon verre d'eau, hein? Pourquoi il me parle comme une idiote? Du calme, hein? Je voulais juste vous demander ça par gentillesse. Par gentillesse, vous? Ça m'étonnerait. Eh, on veut juste savoir si vous vous sentez mieux! Mais c'est pas la peine de crier, je suis pas sourde. Qu'est-ce qui m'est arrivé, hein? Vous vous rappelez pas? Qui êtes-vous, hein? Il faut que je m'en aille. Ah, non, hein. Non, attendez un petit moment. Hein. Non, mais lâchez-moi, j'ai un rendez-vous très important. Non, attends, il faut que je parte. Oui, vous allez partir. Mais hein? Avant, je vous offre un bon cognac avec un gros sucre pour faire un canard. D'accord, ma poupée, hein? Tout doux, bijou. Calme, gentil. Hey, on respire profondément, tranquille. Comme ça. Avec le vent. Oh, bah oui, c'est bien. Bah bonne fille, et pas bouger, hein. Je reviens tout de suite. Vous croyez que c'est prudent, ça? Quoi?
Bah, elle a laissé voir Claire quoi, là, après ce qu'elle nous a fait. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Bah, justement, on sait pas. Ouais, vous avez raison. Je vais appeler un médecin. Non, c'est pas la peine, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça m'est arrivé l'autre soir chez des amis de mon mari. C'est rien du tout, c'est psychosomatique. Et comment je m'appelle, moi? Comment ça? Bah oui, je suis qui? Bah, c'est pas à moi de vous le dire, ça, loulou. Il n'est plus amnésique, hein. Bon, allez, ça va vous mettre d'aplomb. Hop, vous n'allez pas voir ça, c'est pas bon pour vous. Il faut prévenir votre mari pour qu'il vienne vous chercher. Non, surtout pas, je vais aller à ma réunion. Non. La réunion attendra. Ah oui? Bah oui, là, vous êtes au bout du rouleau, il faut y aller mollo. Ah bon? Bah oui, sinon, c'est le burn-out. Et je sais de quoi je parle. Hop là, hop. Bah finalement, il est sympathique, ce garçon. Bon, allez, je reste encore 5 minutes et puis j'y vais. Bon, bah, je crois, les filles, que j'ai un peu perdu le contrôle, là. Mais bon, avec les enfants, la rentrée, le boulot... Les tupperwares. Bah oui, les tupperwares, hein. Bon, bah moi, je vais y aller, hein, puisque vous vous sentez mieux. Bah moi aussi, puis de toute façon, faut que j'aille ouvrir mon magasin. Bah vous partez déjà, on commençait juste à papoter. Bon, ça c'est pas grave, on papotera plus tard. Mais on a pas eu le temps de faire connaissance. Bah si, un petit peu quand même. Allez, et bon courage, hein. Ah d'accord, mais bon pourquoi? Bon courage, pourquoi au fait? Pour votre vie, enfin tout ça quoi. Oh ça ma vie, boum. Et vous c'est quoi votre petit nom? Gabriel. Oh bah ça c'est très joli, hein. Allez, tenez là, ça va vous remettre d'aplomb. Faire de mal. C'est complètement naturel. C'est que des plantes. Si je les cueille moi-même, ça calme. Ah oui. Eh, il vient de passer. Il m'a remis ça. Il est où? Ah ben, il est reparti. Hein. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit que j'étais là? Bah, je lui ai dit. C'est qui? Le petit ton là. Ah bah ça va, pardon, vous le... Va se débrouiller sans moi. Oui. Et vous? Vous ne dites rien? En fait, vous en foutez de moi, hein? Mais dites-le! C'est tellement simple de mépriser les autres et de se taire, hein. Crise de paranoïa aiguë. Mais je ne suis pas du tout paranoïaque! Arrêtez de comploter contre moi! Elle n'est pas comme ça d'habitude, hein, je vous jure, hein. C'est vrai qu'elle me fait penser à la nana du film L'Exorciste qui arrête pas de brailler avec une voix bizarre. Ça brûle. Bon bah tant qu'elle vomit pas des trucs verts. Et puis d'abord, pourquoi vous êtes là, vous êtes toute seule dans ce café? Pourquoi vous êtes pas au boulot comme tout le monde? Je suis en congé maladie. Ah bah voilà. Après on s'étonne que la sécurité sociale soit en faillite. Hein loulou? Quoi? Mais je comprends rien à tout ce que vous me racontez là. Puis de toute façon, elle a comme été plutôt sympa, hein, parce qu'elle est restée depuis le début, depuis que vous faites votre crise. Mais puisque je vous dis que je fais pas de crise, merde alors! Ah, c'est reparti pour un tour. Allez. Oh là là. J'ai pas de crise, tu vas voir. Allez, hop là. Allez, ma belle. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Faut qu'elle respire son propre gaz carbonique. Y a pas mieux contre les crises de tétanie. J'en ai tout le temps quand j'étais petite alors. Non, mais vous êtes complètement dingue! Mais enlevez ça! C'est bon. Elle a pas l'air dans son assiette, hein. Hey, on va lui mettre de l'eau froide sur les tempes, aidez-moi. D'accord. Oh mais lâchez-moi. Oh mais non, mais c'est pas votre bien là, c'est bon.
fini là? Non, parce que depuis le début, on essaie de vous aider, on se fait quand même pourrir. Alors, ça va bien 5 minutes votre truc, hein? En service à Bertrand ou à l'aise, de toute façon, ils te le rendent en chiant. On est bonne, on n'est pas conne non plus, hein. Sérieux. C'est le bureau? Prenez, s'il vous plaît. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise, moi? Mais je vais leur faire rater un gros dossier si vous ne trouvez pas ni ce que je suis viré. Pourquoi moi? J'ai quand même pas demandé à Loulou. Oh bah non, on m'a pas demandé à Loulou, hein. Allô? Plaisir. Ici le docteur Gabriello. Non, non, vous ne faites pas erreur. Madame... Picard. Madame quoi? Surgelée, congelée. Madame Polaire. Mais non, elle est surgelée. Picard. Ah, oh, mais dites-le le demi-mai, on joue pas aux ambassadeurs. Oui, Madame Picard a eu un petit problème. Un malaise. Dû à un léger AVC. Elle sera au bureau en fin de matinée. Hein. Oui, oui, un accident vasculaire cérébral. Mais de très petite ampleur, hein, rien du tout. Oui, bon, excusez-moi, il faut que j'y aille. On m'attend au bloc. Un AVC? Quand même. Ah bah, ils vont la trouver sacrément courageuse de venir bosser 2 heures après un AVC, hein. Waouh. Ah mais il faut peut-être qu'elle mette un truc, enfin je sais pas, genre Minerve. Ah, il faudrait bien qu'elle soit crédible quand même. J'ai tellement de chance d'avoir ce boulot. Il y a tellement de gens qui aimeraient être à ma place. Je peux pas me plaindre avec tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. Vous saviez, vous, qu'un poisson sur deux consommé dans le monde est issu de la pisciculture? La planète part en vrille. Gaspillage, pollution, culpabilité. Oh ça oui, et qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Qu'est-ce qu'on peut y faire à notre petit niveau? Et les ours polaires, la banquise, le plastique, les abeilles qui tombent comme des mouches. Oh putain, c'est atroce, hein? Oh, je sais pas ce qui m'arrive. Je me suis levée comme d'habitude à 6 heures ce matin pour préparer la maison, le linge, les enfants, la bouffe. Tu fais quoi? Vous avez pris un petit déjeuner? Non, je suis toujours nouée le matin, j'ai une boule là. Mais bon, je me rattrape le midi, je mange un sandwich vite fait devant mon bureau, devant mon ordinateur au bureau. On vient d'être acheté par une grosse boîte. Ils nous mettent en concurrence entre nous, forcément. Comme dit mon manager, vous êtes payé pour faire du chiffre, pas pour vous faire des copains. C'est la vie. Non, 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 c'est pas ça la vie, eh oh. Si en plus de ça, vous croyez toutes les conneries qu'on vous balance, non mais vous êtes vraiment pas sortis de l'auberge, eh oh. Mais enfin, Loulou, vous ne vous rendez pas compte? C'est super important le travail, hein. Eh oh, vous croyez que je travaille pas, moi? Mais bon, faut voir d'autres trucs dans la vie, hein. Bah oui, c'est vrai. Ah. Vos enfants, par exemple. Oh, tu parles. Les enfants. Hier, je me suis foutue en rôle parce que c'était le bazar dans leur chambre. Et j'ai entendu ma fille qui disait « Attention, la vieille pique sa crise !» Elle est méchante en ce moment. Tout en noir, avec des chaussures orthopédiques et des morceaux de fer partout sur le visage. Elle me regarde en silence avec ses petits yeux marrons tout plein de colle. Elle me fait peur. Et le petit, lui. Ah bah alors là, le petit, il a décidé qu'il n'avait plus besoin de colonne vertébrale. Il rentre. Il ronne, il se traîne, et puis alors tout ça avec une hygiène, et puis qu'est-ce qu'il bouffe? Il bouffe toute la journée, des chips, des sucres, des saloperies bien grasses, bien sucrées, gorgées d'huile de palme. Quand je pense que pendant des années, tous les dimanches soirs, j'ai pushé 2 kilos de haricots verts pour être sûre qu'ils aient des légumes verts à volonté toute la semaine. Il n'y a vraiment pas de justice. Pourquoi vous me dites ça sur ce ton-là? Quel ton? Un ton sarcastique? Mais pas du tout. Ah si, 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 vous avez un petit air, vraiment un petit air... Un petit air quoi? Un petit air sarcastique. Ouais, un peu comme si... Comme si quoi? Bah comme si vous n'en pensiez pas moins. Ah voilà, exactement. Non, je suis pas sarcastique. Je suis sous l'exomile. Ah bah c'est pour ça en fait qu'elle baille depuis tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec les sourds muets. Pardon? Mais si, vous savez le truc qu'ils font là... Ah, pour montrer qu'ils s'emmerdent. Alors, vous allez mieux?
Ah oui, beaucoup mieux, je vous remercie. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais... Ça, c'est vrai, on s'est vraiment pas ennuyé, hein. Bon, je vais aller prendre mon petit métro. Faut pas que j'oublie de racheter des petits tickets. Je n'en ai plus. Mon petit bonnet, voilà, voilà. Un bon petit café, ça fait du bien. Et c'était quoi le plat du jour au fait aujourd'hui? Ah, rôti de veau frites maison. J'ai pas mangé de frites depuis 2009. Ah bah ça vous changerait des haricots verts ça, hein? Attendez là, 11h10, c'est pas un peu tôt pour déjeuner, hein? Ah, ça lui fera du bien de manger quelque chose de chaud avant de sortir. À votre ami. C'est pas mon ami. Et puis c'est vrai, c'est connu les frites. Il n'y a rien de meilleur pour les accidents cérébraux. Ah, je vous dis ça, ça colle ça, hein, moi. Faites comme vous voulez, c'est pas mes oignons. Oh, puis de toute façon, on va beaucoup mieux. Hein? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Personne ne me l'a encore souhaité. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais passer à Franprix acheter du mousseux, des apéritubes, et je vais fêter ça au bureau avec mes petits collègues. Hein. Et trois céleri remoulades, suivi de trois rôtis de veau frites. Apéritif offert par la maison. Ça marche? C'est parti! Là que j'ai eu la chance de rencontrer Benoît. Comme dit maman, avec toutes les belles filles qui lui tournent autour, c'est un vrai miracle qu'il t'ait remarqué. C'est un vrai guerrier, mon mari. Tous les matins, il se lève d'un bond, prêt à tout casser dans la maison. C'est très, très stimulant. Ah ouais, sûrement, ouais. J'étais très jeune et pas du tout adaptée à la réalité de la vie. Il m'a dit, fais des études de commerce, même si t'aimes pas ça, ça servira toujours. Ben, ça donne envie de le connaître, hein. Ah, mais il est très tonique, il n'arrête pas de bouger. En 20 ans de mariage, j'ai pas dû le voir assis plus d'une heure. Ah bah sauf quand il fait ses sudokus. C'est sa grande passion avec les foires au vin. On n'en rate pas une. L'été dernier, on a fait l'Inde en 6 jours, d'est en ouest, l'année d'avant les grandes steppes mongoles. On a rencontré plein de gens merveilleux qui sont devenus des amis. On les connaissait pas, mais malgré la barrière de la langue, on s'est jeté à l'eau. Ah ça, ça doit être génial ça. Moi j'ai toujours rêvé d'y aller, de plonger au milieu de tous les poissons de toutes les petites couleurs. Ouh. Non mais par moment, Loulou, on se demande... Et on se demande quoi? Rien. J'ai arrêté la fac de lettres pour faire des études de commerce. Je me demande bien ce que je serais devenue si je ne l'avais pas rencontré. Vous passeriez vos vacances allongées sur une chaise, au soleil, avec un bouquin, au lieu d'aller bouffer du gras de mouton à l'autre bout du monde. Vous n'auriez pas une cigarette pour moi? Ah, j'ai que des blondes. Vous en voulez quand même? Ah oui, plus que jamais.
De toute façon, ce qui est pénible quand on est en couple, c'est qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Bon, ok, ok, moi je sais que j'ai un vrai corps d'artichaut, hein, mais bon. Au bout de 3 semaines, un mois, ça va bien comme ça. Hein. Allez, adios amigos, chacun chez soi. Ça va? Vous apprenez des choses sur l'éternel féminin? De toute façon, j'aime pas les femmes. Oh. Et bien ce qui m'avait semblé. Et vous retournez pas travailler, hein? Oh, c'est mon temps de pause, je vous dérange? Pas du tout. Ah, c'est encore Benoît. Vous voulez que je réponde? Je suis très au point maintenant. Non, 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 merci. On a dû le prévenir, j'avais fait un AVC, alors forcément, ben, il s'inquiète. Hein. Tu m'étonnes, il n'y a pas de super-héros dans le frigo. Oh, bah ben, ça va, Loulou. Hein. C'est pas parce que vous préférez les aventures sans lendemain à la vraie vie de famille qu'il faut vous moquer de moi. Hein. C'est quand même dans la vie de couple qu'on s'épanouit plus totalement. Hein, Gabriel? Oui, ça, ça doit arriver qu'on s'épanouit sans couple, sûrement. Mais... Ça, c'est de la conviction, hein. Et vous, ça se passe comment chez les homos? C'est rien, moi. Bah c'est vrai, ça, pourquoi vous le traitez de pédé? Bah c'est lui qui a dit qu'il aimait pas les femmes. Et alors? Ah, c'est pas parce qu'on aime pas les femmes qu'on aime forcément les hommes. Ça, c'est bien vrai. Ça fait 10 ans que je suis en psychanalyse et plus le temps passe, plus je me sens coupable. Vous aurez peut-être essayé autre chose. Ouais, mais c'est de ma faute si ça marche pas. J'arrête pas de vous dire que tout va bien et que je suis heureuse. Oh, la grosse baratineuse. Vous savez quoi? J'ai toujours pas le droit de m'allonger sur son divan. Je dois pas être assez intéressante. Il y a des actrices, des journalistes, des chefs d'entreprise. Alors évidemment, mes petites histoires de femmes trompées. De femmes mariées, pardon. Je me demande vraiment pourquoi tout le monde est heureux sauf moi. Parce que vous trouvez qu'on a l'air heureux? Non, c'est vrai, pas vous? Moi, j'ai l'air heureux, peut-être. Ah bah, pas vraiment, hein. Moi, ça va, je me sens super heureuse. Tout va bien. Ah bah, vous voyez, faut pas désespérer. Les gens sont en général beaucoup moins heureux qu'on imagine. Ah bah, tant mieux. Et sinon, qu'est-ce que vous auriez comme vin avec un petit peu de moelleux, mais quand même un peu de cuisson? Ça vous dirait, ça? Ah bah ça, c'est parfait. Vous trouvez pas qu'on n'a pas assez bu comme ça, là? Bah c'est mon anniversaire, zut, quoi, alors? Tu trinques avec nous? Ah, j'ai arrêté. Je ne bois jamais. Ça doit être difficile de ne pas boire quand on travaille dans un bistrot. Ah, il faut finir l'ouvert, mesdames. Ça y est. C'est pas un peu difficile de ne pas boire? Ça, ça sert à rien de vivre avec la tentation. Il faut vivre avec. C'est beaucoup plus rusé. Oh là là, peut-être que j'ai vu dans mon magasin, moi, il pleut toujours. Un vrai temps de chien. Pas un temps à sortir pour s'acheter des petites culottes. Hein. Pistelle violette. Je vais rappeler Benoît pour lui dire que je vais lui faire un bon dîner ce soir pour me faire pardonner. Mmh. Vous n'avez rien à vous faire pardonner, vous n'avez rien fait de mal. Ah bon, vous croyez, hein? Vous avez besoin de calme, ça arrive à tout le monde, c'est pas un crime. Ah bah si vous le dites. Hein. C'est marrant. Vous me rappelez le rebouteux qui venait à la campagne? Là, ils arrivaient, ils venaient à la ferme, à la campagne, pour ausculter les bêtes. Ils les auscultaient, ils les tripotaient un petit peu. Puis à un moment, il y en avait un qui disait: quand t'en place, monsieur Lepi, demain, pas de prairie, hein. Et c'était réglé. Et vous êtes quoi comme signe d'ailleurs? Taureau. Ah, et voilà. Et moi? J'ai pas droit à un petit conseil du veto? Non! Oh, allez, soyez pas vache! Oh laissez tomber, hein. Il a pas envie parce qu'ils sentent bien que vous êtes sceptiques. Et ça, les rebouteux, ils aiment pas. De toute façon, vous êtes pas très confiante comme fille, alors ça se voit. Non, mais j'ai mes raisons. Oh. Bon, mesdames, une petite douceur pour finir. Qu'est-ce que vous avez de bon? Ah, de la compote de pommes. Ah, ou des profiteroles. On va quand même pas prendre une compote de pommes juste après un rôti de vos frites, hein. Oh, j'ai pas mangé de profiteroles depuis. Mais la compote de pommes, c'est pas un dessert d'anniversaire, ça? Et 3 profiteroles, 3. Oh, c'est curieux, hein.
Mais ça m'a fait un bien fou, ce qu'il m'a dit. Ça m'a ôté un poids. Mais un poids. Oui, mais il faudrait peut-être quand même que vous rassuriez votre famille. Ça se fait, non? 7 messages en absence et 5 SMS. Benoît, Benoît et encore Benoît. Il va finir par exploser son forfait. Lui qui est si radin. Il paraît que t'as fait un AVC. Rappelle-moi rapidement. Bah, il a pas l'air très inquiet. Hein. Ah non, il n'a pas du tout d'imagination. C'est une grande force dans la vie. On part s'installer en Australie au mois de mai. Oh, vous allez grignoter des trucs avec les aborigènes? Mais non, on va s'installer définitivement. L'entreprise de Benoît nous a trouvé une grande maison. Avec un grand jardin, une grande piscine. Oh, la chance! Waouh! Oui, je sais. J'ai beaucoup de chance d'avoir un mari, des enfants, un boulot. C'est ce que ma mère me répète. Et j'ai jamais bien compris ce qu'elle imaginait pour moi comme avenir, mais ça devait pas être vraiment folichon. Hein. Mais c'est la pudeur des mères! Ah non, elle est pas du tout pudique. Hein. Ah. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est une vraie femelle. Non, une vraie femme, pardon. Ben c'est votre psy qui doit se régaler, hein. La voix de la conscience, c'est pas tous les jours, hein. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est plus une femme qu'une mère. Ça lui a jamais vraiment plu d'avoir une fille. Encore maintenant, quand je me penche sur elle pour l'embrasser, elle a un petit mouvement de recul, comme si ça la dégoûtait. Alors que quand c'est Benoît, ben alors là, quand c'est Benoît, hein. Ben dis donc, hein, moi quand j'entends tout ça, je suis plutôt contente d'être orpheline, tiens. Mais dis donc, mais je crois que vous faites une allergie, là. Mais c'est très rouge et tout gonflé, là. Et venez voir. Oh, ben elle a bouffé trop de moutarde avec ses frites, c'est pour ça. De toute façon, c'est super dangereux, la moutarde. Quand on en mange trop, eh ben on peut faire un œdème de couic. Non. Ça, c'est quand on mange trop de hamburgers. Mais non, c'est rien du tout, c'est psychosomatique. Dès qu'on me parle de ma mère ou de l'Australie, je fais des plaques. C'est rien, ça va passer. Ah, c'est marrant, ce truc-là. Mmh. Allez, buvez donc un coup, Madame Picard. Ah, je vous en prie, appelez-moi Hélène. De toute façon, Picard, c'est pas mon nom, c'est celui de mon mari. Puis j'ai toujours trouvé ça con, mais con comme nom, hein. Picard. Bon, quand on est triste, il faut pas tout garder à l'intérieur, parce que sinon... Et bien justement, et ben après on peut attraper un cancer tellement ça nous bouffe de l'intérieur. Et vous êtes une femme en colère, Hélène, hein, Gabi? Ouais, très en colère même. Hein. Allez Hélène, ouais. Gueulez un bon coup, vous allez me sortir votre cancer, enfin, votre colère, excusez-moi. Écoute ma belle, ta mère est une sale punaise. Tu lui as jamais dit? Ben non, je viens juste de m'en rendre compte. Tu sais quoi, tiens, dis-lui, elle est là, dis-lui. Vous croyez? Allez. Maman. T'es pas très gentille. Non mais tu rigoles là, faut y aller plus franchement là. Allez. Maman. Allez. Maman. Non seulement t'es pas gentille, mais en plus t'es un peu rosse. Ah non, mais tu peux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus maman. Loin. Maman. Allez, maman. Maman. Vous êtes sûre de ce que vous faites, là? Allez, sérieuse, c'est super, ça marche 19 fois sur 10. Allez, c'est bon, vas-y, allez. Et la dixième, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est mais bon. Elle est très, très rouge, là. C'est bon, là, c'est que ça vient, là. On va la boucler. Méchante, égoïste, garce! Arrête, avec tes ondes négatives, là, tu l'empêches de s'exprimer, là. C'est bon, Hélène, allez, vas-y. Je sens que ça vient. Maman, allez. T'as gâché ma vie, grosse pute! Il y avait plus que deux profiteroles. J'ai mis un moelleux pour compléter. Ça vous dira quand même. Tenant que vous ayez mal, hein. Allez, essayez de décontracter un petit peu tout ça, là. Je suis à mon maximum de détente, là. Ah ouais? Ah bah, allez dans ma pauvre chérie, hein. C'est pas beau à voir, hein. Mais vous êtes toutes coincées. Oui, et pareil, j'ai déjà entendu ça quelque part, hein. Oh. Et comment ça se fait, vous vous mettez dans un état pareil, en fait?
J'attends que ça commence, alors je me tends. Et que quoi commence? Je sais pas, quelque chose. Quelque chose? Genre quoi? Je sais pas moi, genre la vie. En fait, vous trouvez que votre vie n'a pas commencé? Voilà. Bah si, elle a bien dû commencer, hein, puisque vous êtes là. Mais ça suffit pas. Ah bon, et quoi qui suffit pas? Bah d'être là. C'est pas suffisant pour qu'il se passe quelque chose. J'ai pas l'impression d'être vraiment vivante. Vous avez l'impression d'être morte? Ni vraiment morte, ni vraiment vivante. Attention, hein. Où on est mort, on est vivant. Il n'y a pas à tortiller. Ah bah non, on peut aussi être entre les deux, hein. Entre les deux quoi? Bah entre la vie et la mort. Ah mais attention, ça veut pas du tout dire la même chose, hein. Ça veut dire qu'on est qu'à moitié vivante. À moitié morte. Bah et entre les deux, il y a quoi alors? Bah bonne question, je sais pas. Moi je m'en fous. Je sais que je me sens super vivante. Ben moi aussi, hein. Quand on souffre, ben on sait bien qu'on est vivant, hein. Mais c'est terrible d'attendre quelque chose qui ne vient pas. Et ça ne vient jamais? Ben c'est venu un moment, il y a longtemps. Ah! Puis c'est reparti. Oh merde! Ben comme vous dites. On n'a pas à se plaindre, hein. On pourrait être beaucoup plus malheureux, hein. Il pourrait y avoir la guerre, hein. On pourrait avoir perdu notre travail, hein. Je me suis fait virer il y a 3 mois. Ah bon? Vous pourriez être victime d'une catastrophe naturelle, perdre tous les êtres qui vous sont plus chers. C'est fait. Tant qu'on a la santé. Ça, suffit d'attendre un peu. Putain, mais vous foutez le cafard toutes les deux, là, vraiment. En fait, la vie est pourrie, mais personne n'a le courage de nous le dire. Et vous en êtes combien de messages, là, sur le portable? Ah. 17, avec ceux de mes enfants et celui de ma mère. Et qu'est-ce qu'elle dit? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Eh, heureusement que vous êtes dans le coma, hein. Vous pouvez pas lire. Ah, ça va, Loulou, hein. J'aurais pu mourir, c'est pas marrant, hein. Oh, mais non, vous avez juste un peu pété les plombs, c'est pas mortel. Oh. Eh ben, en tous les cas... C'était une bonne idée de boire un petit Armagnac, ça aide à bien digérer, hein. Ah, oui, ça fait bien glisser. La tête de son jeu quand elle va revenir à la maison, avec une bonne gueule de bois, le donne à mes sèches. Il a mis l'appartement en vente sans me le dire. Il a même déjà acheté des planches de surf sur eBay. Les enfants sont excités comme des fous. Il a juste oublié de leur dire que les côtes étaient infestées de requins. Elle est jamais contente, hein, de toute façon. Bah ça se voit, vous avez pas vu les photos de Mognon sur squall.com, hein? Toutes les nuits, depuis des semaines, je fais le même cauchemar. Je suis obligée de sauter dans le bush avec mes kangourous. Et le pire, c'est que je me rends bien compte que je suis pas vraiment intégrée dans leur groupe. Mais pourquoi, Sarah? Bah, mais y a pas d'explication, c'est un rêve. Je les vois juste sauter des choses à l'oreille. Des choses désobligeantes à mon sujet. Hé, ça chuchote, les kangourous. Mais c'est à faire ce qu'elle veut avec son kangourou. Et c'est elle qui rêve. Plus le rêve avance, plus je me rends compte qu'ils me haïssent. C'est à cause de leur chef si je suis dans leur bande. Et je veux pas y aller là-bas. J'irai pas. J'aime pas les kangourous d'abord. Eh ben dis donc, hein. C'est pas dans la poche tout ça? Hello. Vous avez vraiment pas de cœur, là. Ah non, c'est vrai, elle a pas de cœur, Loulou, non, elle a pas de cœur. Vous m'excuserez, mes petites dames, enfin, 13 foyers en 18 ans, hein? Eh ben, ça encourage pas la douceur. Oh, ils avaient beau appeler ça des familles d'accueil, je voyais bien que j'étais pas de leur famille, hein? Non. Préférez leur petit gamin, petite blonde. Non, mais... Attendez, c'est comme si c'était la nôtre. Allons, c'est pareil. Tu parles. Pourquoi ce serait pareil d'abord, hein? Et en même temps,
Si c'est pour avoir une matrone aussi pourrie que la vôtre, bah... Elle est pas pourrie, elle est méchante. Mmh. Moi j'ai mon gamin, lui il m'a, ça c'est sûr. Et le reste, j'en ai rien à foutre. Mais pourtant, Loulou, quand je viens à la boutique, on parle toutes les deux. Hein. Mmh. Oui. Surtout vous, d'ailleurs. Hein. Ah, si. Entre vos vacances au ski, ou à l'étranger, ou vos gamins qui sont super géniaux, ou votre mari super sympa, da da da. Ah, ça, je vous écoute. Hein. De toute façon, j'ai que ça à foutre. Mais c'est uniquement parce que j'ai la bosse du commerce. Mais soyez pas brutale comme ça avec elle, dans son état. Bah qu'est-ce qu'il a, mon état? Mais je suis pas brutale. Oh, je suis sincère, je suis comme ça. Moi, je dis toujours la vérité. Voilà. Parce que vous la connaissez, vous, la vérité. Bah, vous avez de la chance. Toutes les saloperies qu'on peut balancer sous prétexte de vérité. Mais mentez donc un peu. Ça arrondit les angles, ça facilite l'amitié. Mmh. L'amitié, l'amour, je crois pas, moi, ces trucs-là, alors. Oh, j'ai mon gamin, j'ai besoin de rien d'autre, je vous ai déjà dit. Ouais, mais un jour, Loulou, votre gamin, il va partir. Non, il partira pas. Il a pas intérêt, d'ailleurs. On est très bien tous les deux, d'abord. Mais si, il partira. Les enfants s'en vont, c'est dans la nature des choses. Je vous dis que le mien, il partira pas. Je m'en tape, moi, de la nature des choses. Les vôtres, ça c'est sûr qu'ils vont se tirer, parce que de toute façon, vous êtes tellement sinistre. Thomas, il ne m'abandonnera pas, lui. Jamais. Hélène Picard, j'écoute. Ah oui, oui, ma chérie. Ah oui, oui. Ça va bien, je me remets tranquillement, tout doucement. Oh bah tu sais, hein, les AVC, c'est plus ce que c'était maintenant de nos jours. Hein. Ah oui, et toi ma chérie, t'as passé une bonne journée. Ah zut, il y en a plus. Oui, oui, je t'en rapporte en rentrant. Ah non, j'oublierai pas, avec un gros pot de Nutella. Oui, oui, je me dépêche. Eh, les filles, et si on se buvait un petit quelque chose avant de partir? Qu'est-ce qu'on peut bien boire après un armagnac? Garçon! Champagne pour tout le monde, c'est mon anniversaire, c'est moi qui régale. Bon, je vais vous demander de bien vouloir me régler. On ferme. Ben, vous nous virez? Ben, il n'y a plus personne. Ben, si. Et à nous? C'est pas ouvert ici d'habitude l'après-midi? Fermeture exceptionnelle. C'est marqué sur la porte. Oh, et pourquoi? Mêlez-vous de vos affaires. Ah, l'humeur! C'est vous qui avez insisté pour qu'on reste. Nous, bonnes filles, on a accepté. Maintenant, faut qu'on dégage. On n'est pas des girouettes, non, mais sans blague. Il veut certainement aller retrouver sa chérie. Et vous sortez ça d'où, là? Question féminine. C'est bien ce qu'il me semblait. L'intuition féminine, c'est des conneries. Mais pourquoi vous êtes désagréable comme ça? J'ai une journée chargée, ça vous va comme explication? Ah bon bah écoutez, nous aussi on a une journée très chargée, alors on veut juste trois petites coupettes de rien du tout, et puis après, pfft, on file, ok les filles? Ouais, d'accord, ça marche. Bon, on boit pas de champagne à 3h de l'après-midi, surtout avec tout ce que vous avez déjà descendu. Ah bah dites donc, vous n'êtes pas très commerçant, ni les bonnes clientes, vous pourriez faire un petit geste pour nous garder quand même. Mais j'ai aucune envie de vous garder, moi. Rentrez chez vous, s'il vous reste un peu de dignité. Mais vous n'allez pas nous foutre dehors par un temps pareil. Bon, c'est pas grave, laissez tomber, tant pis pour lui, on termine notre digestif et on s'en va. Bon, je finis de ranger et je reviens. Et puis traînez pas, hein, j'ai pas envie d'être en retard. Il le sait, votre patron, que vous virez les clients pour les draguer l'après-midi? Hé, hey, occupez-vous du mec au catogan, là. Hein? Voilà un qui a le nez fin de se barrer. Mais les gonzesses comme vous, faudrait leur taper sur la tête pour qu'elles nous foutent la paix. Mais quel goujat, ce type! Je vous l'avais dit. Allez, allons-nous-en. Ah non, non, moi j'ai pas du tout, mais pas du tout envie de rentrer, hein. Ah non, mais pas du tout, hein. Hélène, ce serait pas raisonnable.
raisonnable. Ah non, voilà, c'est vrai, ce serait pas raisonnable. Mais c'est mon anniversaire, bordel, les filles. Allez, vas-y, Hélène, allez, fais péter le bouchon, là. Ah. Allez, les petites coupettes, les filles, pour mon anniversaire. Allez. Merci. Ah, du petit champagne rosé. Ma petite Loulou. C'est moi. Vous qui êtes pleine de bon sens, qu'est-ce que vous pensez pour mon couple? C'est cuit. Oh putain, merde. Ah non, mais écoute, ma petite chérie, je vais être comme bien franche avec toi, tu sais. Hein. N'oubliez pas que c'est son anniversaire. Il faut que t'arrêtes de être maso, déjà, et de t'entourer de tout un tas de gens qui t'aiment pas. Hein. Ta mère, hein. Ton mari, ton boss. Faut que tu me vires tout ce timon-là tout de suite, hein, parce que sinon tu vas péter en plein vol d'ici peu de temps. Psychanalysé à la machette et sans anesthésie, cadeau d'anniversaire avec un bon ruban autour. De rien. Vous savez ce qu'il a fait hier soir? On était devant la télé. Il s'est levé, il a éteint le poste et la lumière et il est parti se coucher. Je suis restée là dans le noir à chialer comme un veau toute seule. Quand je te dis que ça pue... Mais il pensait sûrement autre chose. Hein. Tu pars. Eh, les carottes sont cuites et puis c'est tout. Hein. Mais tu sais, c'est pas grave. Hein. Y a pas mort d'homme. Hein. Non, mais c'est vrai, écoute. Tes gosses sont grands. Puis bon, bah, t'es encore. Ouais, t'es encore pas trop mal balancé. Enfin, pour ton âge déjà. Merci. Hein. Eh, tu sais, y'a des tas de mecs qui aimeraient bien avoir une bonne femme, une grande bonne femme énergique comme toi. Qui leur frère, déjà, la popote pour tous les jours de la semaine. Et puis en plus, toutes les chaises de linge pour les jours de la semaine aussi. Lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche, peut-être vendredi et dimanche. Allez Hélène, faut que t'empoignes le taureau par les deux coups une bonne fois pour toutes. Nous enfin. Oh, laissez tomber, c'est pas grave, elle a raison. C'est sain, ça récure, ça fait du bien. Absolument. Au moins, elle tourne pas autour du pot. Ah, ça non, hein. Elle saute à pieds joints dedans et elle laboure la terre avec ses petits ongles rouges. Ouais, ça change de mon psy. À chaque fois que je lui pose une question, il me répond, à votre avis, d'un air entendu. Allez, démerde-toi avec ça. Oh, quel baltringue celui-là. Allez, à dégager, lui aussi. Allez, bravo. Allez, Gabi, à vous maintenant. Pardon? Mais oui, allez-y, vous allez regarder toutes les poignettes sous le tapis, vous aussi. Allez, c'est grande école de printemps, on sort tout, allez, Gabi! Pas très bonne pour les confidences. Bah très bien, si madame préfère rester dans sa bulle... Eh bah tant pis pour vous! Bon, d'accord. Allons-y! En voiture, Simone! Allez! Bon, alors, ben, comme tout le monde, hein, des hauts et des bas. Enfin, les hauts, en ce moment, ils sont plutôt rares. On va pas pleurnicher non plus, hein. Never explain, never complain. C'est ce que me répétait toujours la nurse qui s'occupait de moi quand j'étais petite. Ça rigolait pas tous les jours avec elle, hein. Oh, mais ils étaient tellement beaux, mes parents. Ils voyageaient tout le temps, ils s'adoraient. Ils avaient bien autre chose à foutre que s'occuper d'une morveuse. Je les voyais jamais. Bon, bah, au moins comme ça, je parle anglais. Hein. De toute façon, on le sait. On naît et on meurt seul. Et entre les deux, je vais pas vous faire un dessin. Plus rien derrière, pas grand-chose devant. Mais ça va sûrement repartir, hein, y a pas de raison. À part ça, bah, ça va. Pas trop de boulot,
pas trop de famille. Et les autres. C'est compliqué, les autres. Grande fatigue, les rapports humains. Je sais pas pourquoi je tombe toujours sur des gros cons. Mais en même temps, hein, c'est la sélection naturelle, hein. Tant pis pour toi, ma fille, si t'es pas adaptée au milieu, t'es condamnée à disparaître, c'est la loi de la nature. Bon. Bon, bah ça vous va comme ça, je veux de la vérité, hein. Parce qu'on va pas y passer la nuit non plus, hein. Je vous l'ai fait courte, mais l'essentiel y est. Oh. Eh ben, en tout cas, c'est explique beaucoup de choses, hein. Vous trouvez? Bah oui, on croit être devenus des adultes alors qu'en fait... Bah, on est juste devenus de vieux enfants. Ouais, et puis un jour comme ça, on sait pas pourquoi, bah ça remonte, ça remonte. De quoi que ça remonte? Bah l'enfance. Oh. Si au moins on avait la foi. Connard, ça prend un N ou deux? Je me souviens jamais. Deux. Vous êtes sûre? Ah oui, certaine. Bien. Bon, il reste pas un peu de champagne, là? J'en ai marre de cette vie à la con. Je veux des fleurs. Je veux des bêtes. Je veux pouvoir étreindre des arbres pour qu'ils me transmettent leur force ancestrale et leur sagesse légendaire. Ah ben moi de mon côté, j'étais toujours placée dans des firmes à la campagne. Offrez-moi un champ et je me casse en courant. Oh pire, l'après-midi là-bas, oh, tout s'arrête à 4h l'après-midi. Oh putain, le cafard. Pouf. Je vais me casser moi, tu vas voir. J'ai une maison à moi dans le Poitou. La maison de ma tante Marcel. Oh, on rigolait bien toutes les deux avec ma tante Marcel. Oh, oh, oh. Réfléchissez bien Hélène. Hein. On change pas de vie comme ça sur un coup de tête. Non mais vous vous imaginez, seule, au mois de novembre, dans le Poitou. Ben, qui vous dit que je serai seule? Ben, je pense pas que Benoît et vos enfants... Hein. Ah mais je m'en fous de Benoît et des enfants. J'ai un ami là-bas. Sérieux? Un ami d'enfance. On était amoureux quand on avait 5 ans. Réfléchissez bien. Il arrive qu'on change en 40 ans. Ah mais je l'ai revu récemment, il a pas beaucoup changé. Il a toujours ses petites dents toutes pointues. Et il fait quoi dans la vie, votre ami? Maraîcher dans le bio. Ça, c'est vachement bien. Parce que t'auras, comme ça, t'auras tes 5 fruits et légumes par jour. Le champagne après le vin et l'armagnac, c'est vraiment fabuleux. Hein? On n'a plus du tout d'inipi. D'inipi. Voilà. C'est ce à quoi je pense. Donc quoi? C'est contre tes principes peut-être? Oh, mes principes en ce moment. Allez, tire. Oh bah c'est drôle, ça sent comme dans la chambre de mon fils. C'est quoi? Ça débouche les voies respiratoires, c'est même vendu en pharmacie. Ah bah je sais, il va tout expliquer. Gabi, file donc à Hélène pour sa sinusite. Ah mais j'ai pas du tout de sinusite. Si, 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 t'as de la sinusite Hélène, allez, allez. Allez. Hey Gabi, t'as bougé un peu ton cul là, ça va faire du bien à ton dos. Oh non, moi je danse jamais, hein. Mais oh. Si, Gabi, la nuit, c'est tout même tout à l'heure, c'est tout même, petit machin, là. Bon bah dis donc, ça dépouche trop ton cas, il arrive plus que ça. Pressure remains, I'm sharing my pain with myself again. C'est très marrant qu'on est en train de faire. Mais si, c'est marrant, hein. The old man found that cold. All dreams are gone, love turned into mold. Like it never was. What we had has long been lost. Allô? Qui c'est? Benoît qui? Ah oui, oui, c'est la même chose. Ah ouais, 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 ouais,
Je veux peindre Poitou. Ah bah oui, faut plus la maison. Ah bah oui, je sais, je suis compté dessus. Bah oui, on plus. Allez, ciao, mon con. Allez, oui, je te panique. Mais là, ça vient là. Vous êtes entièrement responsable de ce qui est en train de se passer, hein. Ah, mais je suis totalement. Il va même pas sauter son anniversaire, ce naze. Bon, ça suffit maintenant. J'ai été patient. Mais maintenant, dehors. Non. Comment non? On partira pas. Faudra d'abord nous passer sur le corps. Bande d'hystériques. On n'est pas hystériques, on est profonds. Exactement. Vous n'êtes pas profondes, vous êtes pétées. Non. Hey, c'est pas un vieux sage qu'on apprend à faire de la grimace. La bouteille du patron. Mais vous l'avez la garder pour la fête des mères. Et vous savez combien ça vaut une bouteille comme ça? Non, on s'en fout parce qu'on ne paiera pas. On dira que c'est vous qui l'avez sifflé. Et que vous avez repiqué au truc. Mais vous êtes des vrais sadiques. Non. Sorcières. Non, saleté. Les unes n'empêchent pas les autres. Qu'est-ce que ça sent ici? Et vous êtes drogués? Vous avez fumé du shit? Non. Dans mon café? Mais qu'il est bête, c'est pour la sinusite qu'il est bête. Oh, je crois que je vais vous taper, hein. Oh là là, secours, on a peur. C'est bon. On n'a pas même pas appelé nos mères. Allez, drôles. Oh, foutez le camp maintenant, hein. Non, mais regardez, c'est incroyable. Oui, arrêtez de vous foutre de moi, hein. Il neige. À quoi c'est temps, c'est vraiment incongru. Arrête de rigoler. Mais je sais même pas pourquoi je ris. Bah, parce que vous l'êtes défoncé. Oh, c'est pas vrai. Oh, merde. Oh ben merde alors. Oh ben dis donc, hein. Si tes gamins te voyaient. Quel exemple, un pauvre, hein. Oh, c'est pas vrai, il y a une tempête de neige. Il fait tout noir, hein. Tu veux pas mourir drogué? Putain, c'est bon, tu vas pas mourir, hein. Oh, c'est la fin du monde, ça fait des années que ça déconne. Et une canicule par là, un tsunami par-ci. On va payer, on est tous punis, hein. Eh ben, tu sais quoi, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Parce que comme ça, t'iras pas en Australie. Ouais, bah foutez le camp maintenant, hein, que je puisse fermer. Mais vous allez pas nous mettre dehors dans le blizzard, hein? Blizzard, vous avez dit bizarre. Oh, qu'est-ce qui m'a pris d'être gentil avec vous? Oh. Bah, peut-être parce que vous l'êtes au fond. Bah, je suis quoi au fond? Gentil. Encore une chopine. Et puis vous allez m'adorer, comme tous les Vérognes. C'est trop drôle. Tout le monde se casse la gueule sur le trottoir. Et c'est quoi votre rendez-vous? Eh, si on vous le demande, hein. Oh. On va tous crever, j'ai la peau qui rétrécit. Mais non, vous êtes en pleine descente, c'est tout. En pleine descente de quoi? Bah, en pleine descente de ski, s'il te plaît. Oh, je vous adore, ne laisse pas tomber. Oh, ça y est. Bon, allez, j'y vais, là, hein. J'ai perdu assez de temps avec une bande de folles. Oh, oh dis donc, faut pas être méchant, hein, parce qu'un jour de fin du monde, et ben, il faut dire qu'on s'aime, parce que ben, après, c'est trop tard. Hein. Puis d'abord, qu'est-ce que vous avez contre les bonnes femmes, d'abord? Et autres, ça, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais laissez-moi tranquille et barrez-vous! Non. On veut d'abord savoir ce que vous avez dans le ventre. Oui, racontez-nous votre vie avant d'être mort. Et Gabi, c'est un mec en colère, ça, hein, ouais, Gabi, ouais, hein. Ouais. Mais je suis pas un mec. Je suis un gros con, garçon qui a fait en colère. C'est beaucoup moins grave. Mais c'est pas joli d'être entunier comme ça, hein. Surtout juste avant de crever, hein. Oh, mais je t'ai dit que t'allais pas crever. Tu nous fais juste un very bad trip. J'en peux plus de vous, hein. Je me tire. Oh, les filles, là. Oui. Il a l'air drôlement fâché, hein.
On a peut-être un peu exagéré, là. On y a peut-être été un peu fort. Mais non. On lui a ensoleillé sa journée, oui. Ouais. Il devrait même nous remercier, tiens. Hein? Alors... Oh! Oh, putain, le voilà. Vous voulez connaître le fond de ma pensée? Ben, je déteste les femmes. Les femmes sont vénales, superficielles, méchantes. Mais on devrait apprendre ça aux petits garçons. Méfiez-vous des gonzesses. Mais non. Et regardez, un petit garçon, seul, dans un jardin, ben, il joue, il est tranquille. Une petite fille arrive, pas de vélo, pas de moine de cils, et que tout le tintouin. Tu veux jouer avec moi, dis, hein? Oh, mais pourquoi tu veux pas? Moi, t'es méchant. Bouh. Hé! Ah, le petit garçon. Il résiste un peu. Tant bien que mal. Et au bout d'un moment, ben, il craque. C'est normal, c'est pas facile, il est sensible. Il veut pas faire de mal. Ben voilà, il danse avec la petite pisseuse. Et c'est parti. C'est crémé, quoi, 60 piges d'emmerdement. Oh, on dirait Jean Gabin dans le film où il fout une baffe à la petite jeune. Oh, je l'adore, Jean Gabin. Oh, je l'adore, Jean Gabin. Tu laisses ma môme tranquille, sinon je vais t'apprendre à nager. Oh, c'était simple la vie. On était protégés avec Jean Gabin. Alors que maintenant, bonjour, hein. Que les mous du genou. Les héros sont fatigués. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé être sa môme à Jean Gabin dans la bête humaine. Ah ouais, mais dans la bête humaine, c'est la môme, comme vous dites. Ben Jean Gabin, la fin, il la poignarde. Ah bon? Et tu sa femme, Jean Gabin? Eh, parfaitement. Et il a bien raison. S'il vous plaît, c'est qui ce Jean Gabin? Bon, vous, taisez-vous, hein. Vous faites souffrir un brave garçon qui vous adore. Vous couchez avec lui, mais vous lui apportez rien d'autre. Cœur sec, avide de sexe. De quoi? Ouais, Rémi, le pire ami. Ça vous dit quelque chose? Merde, alors, vous connaissez Rémi? Bah, tous les jeudis soirs, le bistrot reste ouvert pour une soirée fléchette. Je suis président du club. Et Rémi est toujours là. Et on cause avec Rémi. Rémi, c'est mon pote. Oh, de plus en plus Jean Gabin. Oh! Je sais que je ne sais rien, et ça, je le sais. Et il le fait bien, hein. Et Général de Gaulle, vous savez le faire aussi? Oh, oui, attends. Alors, Paris, outragé. Paris, martyrisé. Mais Paris, libéré. Ouais. Oh. Votre Benoît aussi, hein, je le connais. Il vient de temps en temps. Ah bon? Il joue aux fléchettes aussi, Benoît? Ouais, si on veut, ouais. Et il vient comme ça, tout seul? Ouais, si on veut, ouais. Et le grand brun avec un casque? Ah non, crétin au catogan, non, il est bien propre, puis on s'en passe très bien, croyez-moi. De toute façon, les mecs comme lui, je les inscris pas au club. Hein. Et alors, Benoît, lui, vous l'avez quand même inscrit? Faut parfois lutter contre sa première impression. Ses propres préjugés et gratter un peu pour voir ce qui se cache derrière les apparences. Et parfois non. C'est ça qui est difficile avec les apparences. Ah, d'accord. Un peu de douceur, c'est trop demandé. C'est machiste, c'est... C'est misogyne. Ça veut plus rien dire, la féminité, c'est devenu un gros mot. Faut continuer à,
ramener du mammouth à la maison, à péter la gueule à minuit. Et puis, il faut aussi être votre meilleure copine, porter vos enfants contre notre ventre, raser nos poils. Ah non, ça surtout pas, parce que moi j'adore. Hein. Ça va pas tout ça, ça. Ça va pas du tout. C'est les murs qui deviennent mous ou c'est moi? C'est vous, hein? Ah, tant mieux. Ma femme est partie vivre au Canada en emmenant ma fille. C'est elle qui vous a laissé cette opinion sur l'espèce? Quelle espèce? Ben, l'espèce féminine. On devrait choisir la mère sans ses enfants en pensant à la séparation. Ma fille grandit sans moi, élevée par un autre dans un pays où j'ai jamais foutu les pieds. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Elle avait l'air contente de partir. J'ai pas voulu l'arracher à sa mère, j'aurais peut-être dû, je ne sais pas. Ça sert pas à grand-chose, un père, ça. Ça pèse pas lourd. C'est pas toujours marrant, la vie moderne. Bon, j'y vais. Je file à mon enterrement. Bah, vous êtes pas encore mort, hein? Mais non, c'est pas moi qu'on enterre. C'est juste quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ah, bon ben alors ça va. Dites, vous voudriez pas danser avec moi pour mon anniversaire? Eh ben, on le saura que c'est son anniversaire, hein. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Hey, César! Morito était salutante. Qu'est-ce qu'il a dit, là? C'est du latin. Oh. Mais ça sert à quoi? Mais à rien. C'est ça qui est bien avec le latin. Ça sert à rien. Se promener, ça sert à rien. Lire, ça sert à rien. Rêver, ça sert à rien. Toutes les choses importantes de la vie ne servent à rien. On devrait nous sélectionner dès le berceau et puis on nous apprendra que ce qui sert à quelque chose pour qu'on aille plus vite dans notre pauvre petite case de con. Et puis, ceux qui serviront vraiment à rien, on les liquidera tout de suite. Waouh. Mais alors qui vous le parlait en fait? Fait quoi? Eh ben votre lapin, votre lapin bien sûr. Ah ça c'est une bonne question. Avec qui parler latin, avec qui se promener au bord de l'eau, avec qui échanger sur les choses inutiles. Il y a pas des kilos de poésie dans la vie. Et puis les femmes ont un problème avec la poésie. Ce sont des êtres pragmatiques, les femmes. Ma femme, en tout cas, était très pragmatique. Allez, je file enterrer mon pote. Faites pas de bêtises, hein. Et puis vous, perdez pas trop de temps. À quoi? Il n'y a plus rien, abruti, qui vous largue dans un café. Eh ben, c'est pas le mien qui défendrait la poésie, hein.
Ouais, Rémi. C'est moi. Bah non, j'ai pas ouvert le magasin, non. Pourquoi? T'es la police, peut-être? Bah tu sais quoi? Viens demain à la maison, demain soir. Ah bah bien sûr que Thomas sera là, bien sûr. Comme ça, je te le présenterai. Je peux changer d'avis, voilà. On a droit, non? Et puis tant que j'y pense, amène donc ton pyjama et ta brosse à dents pour demain soir. Quoi? Moi aussi, oui. Oui, moi aussi, oui. Ben oui, moi aussi, oui. Moi aussi, oui. Moi aussi. Ouais, moi aussi, ouais. Oui, moi aussi, oui, c'est bon. Oh. Allez, salut. Oh, je te jure. Oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Qu'est-ce que je fous là? Faut que je m'en aille. Faut que je me tire d'ici. J'ai mal au crâne. Oh bah les migraines, ça se passe souvent dans la tête, Gabi, hein. Et où voulez-vous donc que ça se passe? Allez, rentre chez moi. Quelle journée de merde. Loulou, vous croyez que c'est une bonne idée de la laisser partir dans cet état-là? Elle va revenir, bah, t'inquiète donc pas. Ah, tu crois? Qu'est-ce que je disais? Loulou, c'est la meilleure. Ah. Le salon. Qu'est-ce qui se passe encore? Ils nous ont enfermés. On peut plus sortir! Je supporte pas d'être enfermée, je supporte pas! Ah bah là, en ce moment, c'est beaucoup mieux d'être dedans que dehors, hein. Tout à fait. Non mais vous voyez pas que ce type est un malade? Si ça se trouve, il va revenir pour nous tuer, nous violer! Moi, tant qu'à faire, je préférerais dans le sens inverse, mais bon, ça tient qu'à moi. Vous êtes complètement inconsciente! Ils détestent les femmes, ils veulent se venger, mais qu'est-ce qui nous a pris? On est complètement dingue! C'est pas possible, Gabi. Mon dos ! Gabi, mais vous êtes trop stressée. Les gens comme vous, ils arrivent pas à faire circuler leur sang. Et du coup... Mais tu vas arrêter de dire des conneries, hein ! Oh, excusez-moi, Loulou. Je suis un peu à cran en ce moment. Non, bah, c'est pas grave, ça. Hein. On sent bien que vous avez un bon fond. Oh ben, le fond, ça va encore, mais c'est plutôt le reste qui... Bah, vous avez vos enfants, pourtant. Hein. J'ai pas d'enfants. Tu rigoles ou quoi? Ce matin, tu m'as dit que... Garde... Mais je voulais tellement faire partie de la bande, alors j'ai menti. La bande? La bande de quoi? La bande des mères. Oh. Au moins, et ben comme ça, vous êtes libre. Pas d'enfants, pas de boulot, pas d'amour, plus de parents. Bah ça, pour être libre, bah ça donne même le vertige. Hein. Mais pourquoi vous prendriez pas un petit chat pour vous tenir compagnie? Oh putain, le cafard. Mais vous foutez de moi, là? Bah non, pas du tout. C'est très gentil, un petit chat. C'est doux. Maman chérie, si tu pars dans le Poitou, on part avec toi. Après ce que t'as eu, c'est trop dangereux. Post-scriptum, même si tu gardes des séquelles. Oh ben c'est gentil ça quand même. Hein. Fait de plus en plus froid, là. Je sais pas s'il neige toujours, mais... Bah si, ça arrête pas, ça devient même inquiétant. Hein. Oh là là, bah y a plus personne dehors. Hein. Merci.
Merci, Gabrielle. Quoi? Merci, Gabrielle. Gabrielle? Quoi? J'ai peur. Du vent? Non, de la suite. Ça ne peut plus continuer comme ça, comme avant. Mais qui est-ce qui ne peut plus continuer comme avant? Bah, ma vie, c'est plus possible. Mais qu'est-ce que je peux faire? Rien. Gabrielle, je crois que je flippe un peu. Je ne suis pas dans une forme olympique, moi non plus, vous savez. Hein. Et si on chantait une chanson, là, toutes ensemble? Hein? Loulou, réveillez-vous, on va chanter. Oh, mais non, mais pourquoi faire? Pour nous empêcher de flipper. Ah bon, mais on chante quoi, alors? Hélène, qu'est-ce que vous connaissez? Avec le temps. Et quoi ça encore? Avec le temps tout s'en va. T'es sérieuse là, t'as rien d'autre pour pas flipper là, bébé? Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je la chantais pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. Oh là là, merde, mon fils! Mais non, il dort chez un copain! Ah oui, c'est vrai, oui. Merci. J'avais oublié. Mais elle est où, Hélène? Je la vois plus! Bah, je sais pas, moi. Hélène! Coucou! Hélène! Ah, c'est bon, je crois que je la vois, là.
Ah bon? Parce que d'un seul coup, j'ai eu peur. Hein. Peur de quoi? Bah, quel effet... Bah, quel effet quoi? Une connerie. Faut pas exagérer non plus, eh oh. Bah, elle a quand même une vie pourrie, hein. Bah, toi aussi, c'est pas une raison. Merci. Oh, la pauvre. Elle a payé, se payé une sacrée gueule de bois, hein. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et moi ça me fait quelque chose. Non, je crois pas, non. Il est entré dans la vie, non, moi je trouve qu'elle a bien récupéré. C'est quoi ça? Je sais pas, on dirait un animal, hein. Un genre de grizzly. Grizzly, il faut quand même pas exagérer, il a pas neigé assez longtemps quand même, mais oh. Je vais voir. Non, 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 Gabi, ça peut être dangereux là, non, non, Gabi, non, non, non. C'est pas vrai. C'est lui. C'est lui qui? Le garçon. Quel garçon? Le psychopathe là qui nous a séquestrés. Ça va, il nous a quand même fait à manger hier soir. Ah, oh. Bah, le type du silence des agneaux aussi. Il faisait la cuisine. Elle est plus en forme qu'hier, hein? Bonjour. 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 T'es un café. Café. Long ou serré? Eh bien, c'est moi, je rêve. Serré. Ah, ben vous êtes là. Vous êtes bien reposé. Ah oui, super, ouais. Super. Et vous, bien dormi? Ah ben, comme un bébé, hein. Alors, c'était bien? Quoi? Votre enterrement, c'était bien? Vous avez d'autres des questions comme ça? Non. Oh, que c'est bon de fumer. Merci, mon poussin. Excusez-moi, j'ai ça dans la gorge. C'était qui, le mort? Pardon? C'était qui est mort? Michel, le patron. Et il est mort de quoi? On sait pas, il est tombé tout d'un coup, il buvait comme un trou et il fumait comme un pompier, ça peut peut-être vous donner une piste. Oh, c'est triste. Et alors vous, on va pas s'inquiéter chez vous là? Ah ben non, je leur ai dit qu'on gardait en observation pour la nuit. En observation? Oui. La vie est vraiment pleine de surprises, les filles. Qui m'aurait dit hier que j'allais me faire des nouvelles amies, qu'elle allait m'ouvrir des perspectives? Inespérées. Ah oui, mais pour cela, il a fallu s'ouvrir au monde, ouvrir son cœur, ouvrir grand ses chakras. Ça
Les siens sont bien ouverts depuis hier soir. Hein. Mais j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Je me suis rendu compte qu'on s'obligeait à beaucoup trop de choses dans la vie. On se crée des obligations alors qu'on est beaucoup plus libre qu'on ne croit. On a peur. Peur de la liberté. Peur de l'aventure. Mais l'aventure, les filles, c'est celle de la vie. Je lui ai dit de surtout pas s'attacher. Qu'est-ce qui vous a pris de nous séquestrer, là? Oh ben, j'étais en retard, je suis allé vite et ben, j'ai verrouillé la porte sans y penser. Sans y penser? Vraiment? Ben, qu'est-ce que vous croyez que je vais vous garder au chaud jusqu'à mon retour? Pourquoi pas, après tout? Au fait... Oui? Eh ben, j'ai appelé Rémi. Bah, il s'en passe des choses quand le chat n'est pas là. Quand il revient aussi, d'ailleurs. Faut parfois un petit coup de pouce hein, avant de commencer une nouvelle vie. Mais du coup, vous avez plus de travail? Oh, j'étais juste venu dépanner mon pote. Hein, puis, ça m'a plu de nourrir les gens, ça... Ça les calme de manger comme les enfants. Et votre enfance à vous, c'était comment? Ah, une maison au bord de l'océan, des journées entières à pêcher avec les copains. Et puis, une maman tablier qui me faisait des gâteaux. Dégueulasse. Ah, je vous rassure. Hein. Après, ça s'est gâté. Et c'est à quel moment que vous êtes devenu misogyne, là? Bah, quand je me suis aperçu que les femmes n'étaient pas toutes comme maman. Ouais, rien de tel qu'un bon enterrement pour attraper la mort, hein. Vous voulez que je vous beurre une tartine? Pourquoi pas? Au fait, on connaît pas votre prénom? Ah, moi je sais, c'est Mathieu. Mathieu, drôle d'animal. Un trésor pour la femme qui saura le découvrir. Comme moi, un diamant pour l'homme qui saura aller au-delà des apparences. Mais les apparences ne sont pas si mal. Mais bien sûr que non, elle a l'air comme ça, mais quand on la connaît bien, elle a un très bon fond, n'est-ce pas, Loulou? Oui. Non, ce qu'il faut, c'est juste creuser un tout petit peu avec un tractopelle, mais bon. 5h30, et ben décidément, tout est déréglé. Plus d'horaire, plus de saison. C'était pas mon anniversaire hier soir. Je suis née le 6 mars, poisson ascendant poisson. T'as les gonflé quand même, hein? On est resté quand même uniquement par pitié avec vous alors qu'on avait des tas de trucs à faire, hein Gabi? Hein Gabi? Oh, bof, pas vraiment, mais bon. Ah, c'était pas mon anniversaire, mais j'avais quand même très envie qu'on me le souhaite. Bon anniversaire, Eden. Mais vous lui avez pas déjà souhaité cette nuit, vous? Bon. Hey, bon anniversaire, très chère Hélène. Bon, allez, ouais. Bon anniversaire, Hélène. Merci, ma loulou. Ah, c'était le plus bel anniversaire de toute ma vie. Oh, bah regardez, le soleil se lève. Si ça se trouve, on aura un bel été indien. On peut quand même pas toujours avoir un temps de chien.